Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir les objets de collection du Trash Ball. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements de possibles, de disponibles. Donc vous avez plusieurs emplacements possibles. Alors je vais vous les présenter sur ce gameplay. Alors le premier emplacement que je vais vous présenter, c'est à Sleepy Swound. Il y a trois emplacements. Il y a un emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Et il y a deux emplacements qui se trouvent plus ou moins par ici. Ensuite, il y a un autre emplacement qui se trouve au Condo Canyon. Donc c'est juste, justement plus ou moins par ici, si je ne me trompe pas, voilà. Donc rendez-vous à cet emplacement. Et le dernier emplacement, donc c'est là où je vais aller, c'est l'emplacement qui se trouve en plein milieu de la map, donc dans la neige, c'est juste ici. Donc en fait, je vais peut-être pas me rendre à cet emplacement-là parce que dans la neige, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que je vais me rendre au canyon. Ce sera beaucoup plus simple, je pense, pour réaliser ce défi. Le problème, c'est que comme c'est une ville, il y a possibilité d'avoir beaucoup d'ennemis. Donc on verra bien quand on y arrivera. Après, c'est la fin du bus, donc il y a peut-être moyen qu'il n'y ait pas beaucoup d'ennemis. Mais on va voir ça tout de suite. Alors logiquement, ça devrait se trouver plus ou moins par ici. Donc de toute façon, quand vous allez vous rapprocher, ah regardez là, quand vous vous rapprochez de l'emplacement, il y a un point d'exclamation qui s'affiche sur la carte. Donc regardez juste ici. Donc ça veut dire que je dois me rendre à cet emplacement-là bien précis pour récupérer le trash ball. Donc là, j'en ai récupéré une et il y en a trois dans les environs. Donc tout simplement, je vais enlever mon ping pour voir un peu plus clair. Donc je pense que il y en a trois dans cette ville. Donc je vais tout simplement les chercher en voyageant dans la ville et en regardant ma carte en haut à droite pour voir si je trouve un point d'exclamation. Et là justement j'en ai trouvé un, il est juste en face de moi. Donc hop, donc ça c'est le deuxième. Ah mais ok, c'est un panneau là, c'est carrément un panneau. Ok, le poster de Trash Ball. Et le dernier emplacement, ben, je ne sais pas où est-ce qu'il est. On va continuer à avancer. Ah je crois que je l'ai vu, mais je suis pas sûr. Ah non, j'ai flashé. Donc je vais chercher le dernier emplacement et je vous montre ça dès que je l'ai trouvé. Donc dans la logique des choses, j'ai eu deux emplacements ici. Donc on va aller de l'autre côté, donc on va passer le pont et on va aller de l'autre côté du canyon. À mon avis, le dernier emplacement doit se trouver là-bas. Peut-être dans la pompe à essence ici à gauche. Non, ça n'a pas l'air. Donc on va aller à droite et c'est peut-être dans les habitations ici. On va voir. Là, je ne vois rien du tout. Ok. Ah, si, il est là. Voilà, il est dans cette maison-ci. Hop, on sort du camion. Enfin, de la Jeep. Et le voilà, il est juste en face de moi. Et là, c'est quoi? Ah, ben, c'est un... c'est un doigt en mousse. Voilà, voilà. Donc, voilà, quand vous aurez récupéré les trois emplacements, ben, vous aurez terminé tous les défis de Delta One. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace.